Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour vous faire un nouveau tuto. Donc vous êtes beaucoup en message privé à me demander des petites idées avec des photos de petits carrousels comme ça que vous avez achetés, avec des coquillages, des petits hippocampes, enfin toutes ces petites choses-là. Et vous avez acheté ça, mais très souvent vous ne savez pas quoi en faire. Donc je vais vous montrer aujourd'hui une petite idée toute simple qui peut être produite par les débutantes et qui peut être très rapide à faire pour les pros en clientèle. Donc, j'ai préparé une capsule pour vous montrer le nail art. Dessus, je pose une couche de blanc. Je catalyse. Ensuite, je prends un gel couleur bleu. Comme vous voyez, je le pose grossièrement et sans catalyser, je vais prendre un autre gel couleur qui est bleu nacré et je vais faire comme des traits dessus. Ensuite, je vais prendre un gel qui est pailleté et je vais faire exactement pareil. Quand le résultat me plaît, je catalyse. Ensuite, je prends donc mon petit carrousel avec mes petits coquillages, mes petites étoiles de mer, des paillettes, des petites billes bleues et argentées et des petits strass qui sont de couleur bleue. Je prends une finition et je vais en appliquer ici et surtout le contour là où il y a la démarcation du blanc et du bleu. Et je vais poser mes petites décos. Une fois que toutes mes petites décos sont posées, je catalyse pendant 30 secondes. Et pour finir, j'applique une finition. Et je catalyse pendant 2 minutes. Et voilà, c'est fini. Donc vous voyez, c'est une petite déco qui est très simple à réaliser pour les débutantes, très rapide à faire si vous voulez la faire en clientèle puisqu'il n'y a pas de catalysation entre les différentes couleurs. Et c'est très sympa. Généralement, les clientes, elles aiment beaucoup ce genre de petite décoration qui est simple, mais qui a plein de petites décorations qui rappellent la plage et l'été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour utiliser vos petits carrousels de décoration. Et bien sûr, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et partager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.